cette victoire sur la mort, cette résurrection du fils de la veuve nous montre bien l'enjeu du combat entre la chair et l'esprit. Car ce que saint Paul nous révèle dans l'épître aujourd'hui voit son accomplissement dans cette résurrection. Cette résurrection de ce jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. L'esprit de vie est venu dans ce corps mort. L'esprit de vie est venu pour donner cette victoire sur le péché, sur cette mort, pour vivre une résurrection maintenant éternelle. Voilà tout l'enjeu de notre foi. Et nous allons essayer de mieux comprendre le combat de la chair contre l'esprit, cet enjeu capital dans saint Paul et dans tout le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'un combat du corps contre l'âme, suivant la vision des platoniciens, vision dualiste, parfois gnostique, où nous serions emprisonnés dans ce corps de misère, ce corps de malheur, ce corps lourd, pénible, et où l'esprit pourrait nous vivifier, où il y aurait uniquement les forces de l'esprit et surnaturel qui pourraient s'opposer à cette chair? Et non, ça serait un contresens profond de notre foi chrétienne, de la révélation chrétienne. Nous ne pouvons pas, à partir du Nouveau Testament, identifier la chair au corps et l'esprit à l'âme. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus exaltant que cela. D'abord, la Bible nous révèle la dignité de la chair, façonnée par Dieu comme par un tisserand, nous dit le livre de Job, ou par un potier, nous dit le livre de la Genèse. La chair est digne à ce titre de notre admiration. Elle est comme un élément de notre être corporel. C'est bien la chair et le sang, nous révèle la sagesse, qui sont véritablement des éléments de notre être corporel, comme étant créés par Dieu. L'os et la chair, voilà l'ensemble de notre corps. Ainsi, nous voyons qu'il y a comme une grande dignité qui apparaît dans cette création. Nous apercevons que le fond de la personne est bien cette chair. On le voit avec Adam quand il voit dans la femme que Dieu lui amène un autre lui-même. Mais il ne dit pas en voyant la femme, tiens, une âme, elle est l'âme de mon âme. Non, il dit bien la chair de ma chair, l'os de mes os. Cela nous montre la dignité de cette création, Adam, l'homme qui était vraiment tiré de la terre. Et c'est bien corps et âme, et ce corps, cette chair est révélatrice de l'action créatrice de Dieu, révélatrice aussi de cet esprit qui est donné. Il y a donc une dignité incroyable qui nous est montrée dès le début de la révélation, dès le début de la Bible. Oui, nous sommes appelés aussi à devenir une chair unique, à être transformée, une chair qui va reprendre vie. Ainsi, la chair ne peut pas être le lieu uniquement du péché ou du corps qui serait banni. Même s'il y a un autre regard qui apparaît dans la Bible, il y aurait la chair qui est révélatrice de ce qui est terrestre et l'esprit révélateur de ce qui est le ciel. Et il y a, c'est vrai, déjà dans l'Écriture un certain combat qui apparaît entre les deux. Et ainsi, une connotation morale qui commence à apparaître, où cette chair, eh bien, va être révélatrice de la loi et d'une difficulté de combat intérieur. Et l'esprit qui va apparaître comme la grâce, comme étant ce qui va vraiment redonner vie. Et c'est alors que nous voyons apparaître dans la notion de chair une notion de finitude et d'impuissance. Toute chair est comme l'herbe, mais la parole de Dieu demeure à jamais, dit Isaïe. La chair est à l'esprit ce que le terrestre ainsi est au céleste. Créature, l'homme est impuissant par lui-même à entrer dans ce royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, dit Jésus, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
On voit donc apparaître, à travers la notion de la chair, ce qui serait purement terrestre, même avec la meilleure volonté du monde, mais sans la grâce. Alors la chair ne peut pas s'élever par elle-même à la gloire du ciel. Et c'est là où saint Paul va nous faire comprendre le nouvel enjeu. L'opposition entre l'esprit et la chair est d'un ordre tellement différent. L'esprit devient avant tout ce qui nous est donné par la grâce de Dieu, par le mystère de la croix, l'amour du Christ, la grâce qui vient en nous et qui va nous transformer corps et âme, pour que nous soyons participants à ce mystère de rédemption, de charité. La grâce vient en nous et notre esprit, qui pouvait être intelligence, volonté, mémoire, et qui pouvait tellement être charnel, tellement terrestre, tellement tiré par le bas, cet esprit va être transformé pour être habité par Dieu, être élevé dans la gloire du ciel, vivre une amitié avec Dieu. Et c'est corps et âme que nous allons pouvoir vivre cet esprit. De cet esprit, alors l'âme devient en grec le nous, l'esprit transformé par Dieu, un véritable esprit. Et nous sommes bien toujours dans la réalité corps et âme, mais c'est corps et âme que nous allons être transformés par la grâce de Dieu pour être élevés à un ordre surnaturel et pour vivre totalement transformés par cette charité. Et nos désirs ne sont plus les mêmes. Désir de la gloire du ciel, désir d'être sanctifié tous les jours, de grandir dans l'amitié avec Dieu. Désir de pouvoir donner cette charité, de nous occuper des autres, voilà le sens de l'épître aujourd'hui. Et alors on ne sème plus dans la chair, mais on sème dans l'incorruptibilité. Et les souffrances de ce temps nous paraissent passagères. Les souffrances de ce temps nous paraissent transitoires, parce que nous savons que nous sommes faits pour la gloire du ciel. Et nous gardons toujours une espérance malgré les souffrances de cette terre, parce que nous avons une paix intérieure. Nous savons que le Seigneur est en nous et qu'il nous transforme. Voilà l'esprit. Et ce qui nous permet alors d'être tellement plus forts pour lutter contre la chair, une attirance vers le bas, vers le péché, c'est-à-dire corps et âme, et principalement l'esprit, bien entendu, qui va être attiré par l'orgueil, par les richesses de ce monde, par l'impureté. Une âme qui, vivant dans son narcissisme, va être de plus en plus attirée par ce qui est charnel, c'est-à-dire pas simplement l'impureté, mais par ce qui va être de plus en plus tourné vers lui. Et c'est ça, la chair. Ce n'est pas que le péché de chair, comprenez bien. C'est d'abord l'orgueil, la soif de puissance, de dominer les autres. C'est d'abord la soif des richesses. Et c'est une soif avide de biens sensuels uniquement. Alors oui, il faut qu'il y ait un véritable combat. Et ce véritable combat ne pourrait être vécu que dans la fidélité au Christ, que dans la fidélité à notre baptême, à la grâce de Dieu, qu'en vivant de la chair du Christ donnée dans l'Eucharistie et en étant transformé. Et alors, chair et esprit seront transformés, seront réconciliés en nous en recevant la chair du Christ. Nous devons donc vivre profondément dans cette paix de Dieu. Voilà pourquoi, dans ce combat pour vivre de l'esprit, nous avons besoin de prier tous les jours, un quart d'heure minimum d'oraison tous les jours pour être dans la paix de Dieu. Sinon, nous ne tiendrons pas dans ce monde. Comme je vous le disais souvent, ce monde est comme une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Nous ne tiendrons pas dans la vie spirituelle si nous n'avons pas un temps en silence de méditation avec Dieu. Un quart d'heure en silence minimum de prière dans la journée. L'importance de l'Eucharistie en semaine, de ne pas se contenter de l'obligation du dimanche, mais d'être transformé par ce don de la présence du Christ en nous. Nous avons besoin de l'Eucharistie. Et puis la lecture de l'Écriture, parce que si notre esprit n'est pas rempli de la parole de Dieu qui est esprit, alors nous serons attirés sans arrêt par ce qu'il y a de plus charnel, par de plus humain, par l'argent, les pouvoirs, la puissance, le sexe. Il faut que notre esprit ait un grand idéal, et cela nous sera donné par grâce, mais aussi à travers la lecture de l'Écriture. Sinon, nous serons des hommes de chair uniquement, et d'une chair parfois un peu pesante. Alors que l'Esprit nous est donné par tout cela, par mystère de la grâce. Alors, chers parents, permettez-moi d'insister aussi dans l'éducation des enfants pour veiller à ce combat de la chair contre l'Esprit et donc d'encourager à vivre de l'Esprit Saint.
Cela veut dire, concrètement, eh bien, de donner un exemple de vie spirituelle, de vie de prière, de montrer que le plus important, c'est le Christ, que le plus important, c'est cette vie spirituelle. Si vous souhaitez que vos enfants soient fidèles, vraiment, à la grâce de Dieu, montrez que le plus important pour vous, c'est le Christ, et que c'est lui, votre résurrection et votre joie. Montrez que le plus important, quand vous exigez le travail de vos enfants, ce n'est pas la réussite sociale, ce n'est pas qu'ils aient une bonne place dans la société ou qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est que le travail permettra de les accomplir, de les rendre heureux, que l'honnêteté et les vertus humaines seront leur joie. Et que depuis que le Christ nous a montré, eh bien, l'exemple du travail, il prend une toute autre dimension. C'est de leur montrer que les richesses ne rendent pas heureux, que l'argent facile n'est pas une bonne chose. Et de leur montrer par votre générosité, si vous avez des biens, et leur montrer que tout ne leur est pas dû, mais que ce n'est pas l'argent qui rend heureux, mais la vie spirituelle. C'est leur montrer, en fin de compte, aussi votre amour, et que c'est l'amour conjugal qui rend heureux. Qu'on n'exige pas de la pudeur ou une certaine prudence dans l'amour, uniquement par peur du plaisir ou du corps, mais qu'on l'exige parce que cette vertu de chasteté, de pureté rend heureux, que ce soit préparer un véritable amour, que c'est vivre une véritable sexualité par la suite. Qu'on n'est pas là avec des lois et des commandements pour embêter l'enfant, mais qu'il s'agit de sa véritable fidélité à Dieu, son véritable amour. Et que des parents qui s'aiment et qui témoignent de ce véritable amour et d'un corps transformé par l'Esprit Saint, alors les enfants comprendront l'importance de ce combat. Il n'y aura pas d'éducation sans combat de l'esprit contre la chair. Et c'est un enjeu absolument essentiel avec la grâce de Dieu. Alors soyons dans l'espérance, puisque le Christ nous apporte la résurrection d'une chair transfigurée, transformée, bien dès maintenant, en vivant de Jésus ressuscité, en le recevant, nous vivons de cette victoire de l'esprit contre la chair. Et dès maintenant, nous pouvons vivre dans notre foi, dans notre vie de prière, dans la vie de la grâce, de la victoire du Christ, pour un jour le contempler dans cette chair ressuscitée. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.